les caractéristiques pour passer de 0 à 35 là, sont pas du tout les mêmes que les caractéristiques pour passer de 35 à 45 ou à 55. C'est vrai qu'il a une manière de travailler qui est propre à soi et c'est ce que j'attendais. J'adore un peu tout ce qui est innovant et c'est ce qu'on fait. Donc, La manière dont il s'est entraîné cette semaine, c'était plutôt pareil qu'avant ou plutôt différent? Nei pats sugalvojęs, ta prasme, treniruotis, nei man, kas nors būtų sakęs, tą visą palaipsniui, kaip turėtų būti iš tikrųjų. C'est étonnant parce que du coup on travaille des façons de faire qui sont complètement à l'opposé, enfin complètement différentes en tout cas de tout ce que j'ai pu faire depuis que j'ai commencé le basket et depuis que j'ai travaillé mon shoot. Donc c'est vrai que c'est un peu déstabilisant et intéressant à la fois parce qu'au final on se retrouve dans des situations qu'on ne connaît pas du tout, où on travaille des muscles un peu différents d'habitude, donc on est presque courbaturé de nouveaux muscles, j'ai envie de dire. Donc c'est vrai que c'est particulier, mais c'est vrai que ça reste quand même intéressant puisqu'on voit quand même déjà certains progrès qui sont intéressants. La manière dont il travaille avec moi, est-ce que c'est plutôt pareil ou plutôt différent de ce qu'il fait d'habitude ou ce qu'il faisait depuis des années? Tipas darbo tipas su juo yra kitoks negu su kitais? Yes, of course, because I have never seen the exercises and the job we did in this camp nowhere else, so it was something new and it helped a lot. Beaucoup en Pro A, en Pro B, donc tu aurais vu beaucoup de choses. Est-ce que cette façon de travailler, elle est plutôt pareille ce que tu as connu ou plutôt différente? Je pense qu'elle est... Déjà, je n'ai jamais connu quoi que ce soit pareil. Voilà. Rien de commun. En général, moi, la manière dont j'ai grandi, on te donne là-bas, on te dit shoot. On te dit shoot et trouve ton rythme. Je pense trouve ton rythme, trouve ta trajectoire. Trouve ton rythme. J'ai grandi au Cameroun. Je ne sais pas si c'est similaire partout. Mais j'ai grandi au Cameroun, je suis allé aux États-Unis, je suis revenu en France. J'ai jamais eu un coach qui me dit de me mettre d'une certaine façon, de bien me placer. Il veut juste que tu prennes le rythme de shoot, que tu prennes confiance. En fait, on joue beaucoup sur notre propre confiance au lieu d'avoir un apprentissage pour faciliter l'intégration du travail. La manière dont il s'est entraîné cette semaine, est-ce que c'était plutôt pareil ou plutôt différent de d'habitude? Of course, it was totally different. Donc c'était totalement différent. Most of the exercises I did here, not that I never did, I never seen maybe. And this was maybe the hardest part at the beginning to believe in these exercises that you never seen before, but. As I said, practice after practice, you get a little bit used to it. You feel a little bit how it helps you, maybe. Not when you're taking every shot, but after two or three good shots, you feel again that something is going worse. And then you have in your mind that this exercise that you did help you all kinds of stuff. Je me suis plus basé sur le fait de ce que je savais déjà et de ce que j'ai acquis en fait. Et le fait de changer de tout au tout la technique, des pieds jusqu'à la main, en fait on change beaucoup de méthode de travail et de position. Bah, je savais que c'était un peu atypique par rapport à ce qu'on propose en général sur du quantitatif un peu au niveau du shoot. Là je savais qu'on allait modifier des choses et un peu partir de la racine en termes de mon jeu et de mon shoot. Et j'ai pas été déçu parce qu'on a tout repris depuis le début et qu'au final on a réussi à modifier des choses en 3 jours alors que ça paraît impossible sachant que ça fait 10 ans que je joue et que j'essaye entre guillemets d'être meilleur et que là j'ai trouvé des solutions différentes en 3 jours. Par rapport à cette semaine, est-ce que la manière dont il s'est entraîné c'était plutôt pareil que d'habitude ou plutôt différent? Ne, visiškai sakau, buvo nauja patirtis, niekur nebuvau susidūręs su tokia darbo metodika. Jambes, sur les jambes, exo d'alignement avec élastique. Je crois que je vais m'acheter un élastique. Ah oui, pour bien travailler, non, ça coûte pas grand chose par rapport à ce que ça peut rapporter. Et donc, ouais, voilà, il y a des exos que j'ai déjà rencontrés moi-même, d'autres qu'on m'avait fait voir et d'autres que là je suis en train de découvrir, donc c'est bien, c'est aussi ça.
pour ceux qui voudraient venir au camp, mais du coup j'en ai aussi pour mon argent, hein. Enfin, peu importe ce que j'y trouve, là j'ai déjà trouvé des trucs. Et le travail vidéo qu'on fait a l'air vraiment intéressant. C'est vraiment des choses qu'on n'a vraiment pas du tout l'habitude de faire. Voilà. Et c'est pour ça que je fais des vidéos. Ouais. C'est pour ça que voilà, nous aussi on vient participer à ce stage avec toi, parce que voilà, c'est des choses qui sont vraiment pas du tout habituelles, et qui sont très différentes de ce qu'on peut apprendre en formation quand on est jeune, mais aussi en formation dans les clubs professionnels. Donc c'est vraiment intéressant, et puis on voit qu'en corrigeant les petits détails, eh bien, on arrive à quelque chose qui peut être vraiment être excellent, voire parfait pour l'avenir. Tout ce que tu as fait aujourd'hui, c'est plutôt pareil ou plutôt différent de comment tu t'es entraîné jusqu'à maintenant ? Non, bon, c'est complètement différent. Au début, quand je voyais les vidéos sur Facebook, je disais bon, ça vend le produit un peu, tu sais, mais il y a une part de vérité, mais ça exagère peut-être un peu. En fait, pas du tout. Ça exagère. Faut pas croire, les vidéos sont vraies. On fait pas du marketing. Non. Ok. Il n'y avait pas un truc qu'on a fait aujourd'hui que j'avais déjà fait avant. Ouais. J'ai posé mon cerveau. De toute façon, j'avais pas forcément un super shoot. Donc, je suis venu ici aussi pour découvrir tes nouvelles méthodes, etc. Donc, du moment où je suis venu ici, c'était pour essayer ta méthode. Et c'est ce que je fais. Donc, j'applique tout ce que tu me dis. Ok. Donc, en fait, ce que j'entends, c'est que tu t'es mis dans un état d'esprit disponible aux nouvelles idées, aux changements. Ouais, tu es prêt à changer drastiquement les trucs. Ouais, je suis ouvert sur tout ce que tu me dis, sur les méthodes. Même si c'est un peu bizarre, si c'est un peu compliqué souvent, ouais. Je suis ouvert et je vois que ça marche, que je progresse déjà. Donc tu as 29 ans, donc tu as déjà quand même fait pas mal de choses. Est-ce que les exercices et la manière dont tu t'es entraîné aujourd'hui, est-ce que ça ressemble à ce que tu as déjà fait ou est-ce que ça ressemble pas du tout ? Ça ressemble pas du tout à ce que j'ai déjà fait. Ok. Mais je savais à quoi m'attendre puisque j'ai vu Théo Léon, ouais. Mon coéquipier qui vient juste de passer par... Ouais, stage. Ouais. Donc je l'ai vu répéter l'exercice qu'il a fait avec toi, okay. Quelques jours après, donc je savais exactement à quoi m'attendre. Ah ouais, d'accord, voilà. T'étais vachement bien renseigné en j'étais, fait. Voilà, j'étais très bien préparé. Ok, et en quoi c'est, donc t'étais préparé, mais en quoi c'est différent de ce que t'as connu avant ? C'est-à-dire que là, déjà j'avais jamais travaillé sur les appuis. Ah. Autant on m'avait fait travailler sur corriger le haut, ou moi-même j'avais beaucoup travaillé sur ma gestuelle, mais j'avais jamais travaillé sur corriger mes appuis. Et donc là, déjà, avec toi, on a commencé avec ça tout le matin. On a répété ce soir. Vraiment corriger les appuis, l'alignement des appuis. Et donc, voilà. Ok. Qu'est-ce qu'il y a après, il y a aussi une autre chose, ouais. Parce que moi, je te coupe. Il y a aussi le fait que pour corriger les choses, tu fais faire l'inverse de l'erreur. Et non pas la chose correcte, le geste correct. Ouais. Alors que, on va dire que conventionnellement, tous les exercices de correction qu'on a pu faire, c'était faire le gestuel correctement et le répéter. C'est ça. Et c'est la première fois qu'un coach me dit de faire le geste inverse au geste erreur. Quoi. Voilà. Et on n'y va pas à moitié. Quoi. Et on n'y va pas à moitié, exactement. Donc, ça travaille au niveau des articulations et c'est très bien. Je suis très content de ça. Voilà. Tous les exercices que j'ai pu faire aujourd'hui, je ne les avais jamais fait avant, donc étonné, vraiment étonné, mais surtout satisfait parce que ça m'a apporté du bénéfice. Sur des exercices qu'on n'a jamais fait depuis tout petit, j'avais jamais vu ça, jamais. Après sur tout ça, où c'était vraiment, on travaillait la gestuelle, après on travaillait, en même temps on courait, c'était tout, on travaillait tout. Tout du shoot de A à Z, de bas jusqu'en haut, donc c'est vraiment des trucs, on ne nous a jamais parlé de ça. Ça n'a rien à voir, c'est la première fois que je travaille vraiment comme ça, c'est la première fois que ça m'arrive de travailler comme ça. Maintenant je comprends, enfin, ça paraît logique au final, ouais. Ça me paraît logique, mais c'est la première fois que je bosse comme ça. Surpris oui, mais en même temps j'étais averti avant de venir, donc ça va, j'avais un petit sourire quand on me montrait des exercices, parce que c'est étonnant quand même. Et puis au fur et à mesure ça commence à rentrer, à intégrer notre méthode de travailler, donc au final c'est au bout de quelques exercices, le côté surprenant